Donc je voudrais commencer par remercier Eugénie et le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler du parcours de ma fille et de mon parcours dans les arcanes, qui étaient en fait plutôt des salles d'attente, des systèmes judiciaires et de protection de l'enfance français et américain. Alors, je voudrais aussi m'excuser par avance, mes trois métiers, traductrice, journaliste et auteur, sont par nature des activités plutôt solitaires. Et je n'ai pas tellement l'habitude des prises de parole en public. Donc, pour livrer mon témoignage, je me suis accrochée à ce qui m'est le plus familier, l'écriture, sous toutes ses formes. Donc, ne m'en veuillez pas si je m'agrippe fébrilement à mes petits papiers. Je vais quand même essayer de vous livrer un témoignage aussi vivant que possible. Donc, je me suis mariée en 2005 aux États-Unis avec un Américain de New York. Tout est allé très très vite, en fait. Je suis instantanément tombée sous le charme très particulier de Julian. J'ai rapidement eu un enfant avec Julian et une petite fille, Gwendoline, qui a aujourd'hui 11 ans. Mais j'ai découvert, donc pendant ma grossesse déjà, et surtout après la naissance de Gwendoline, que j'avais affaire à un être gravement pathologique. Un père qui semblait être en concurrence sauvage avec la mère que j'étais et qui voulait à toute force prendre ma place. Donc j'ai dû me séparer de lui après des violences devenues courantes à mon égard lorsque Gwendoline avait 18 mois. Donc après un départ tourbillonnant sur les chapeaux de roue, les choses sont immédiatement devenues un véritable enfer, celui que je raconte dans Mauvais Père. Car, comme le disait mon avocate féministe new-yorkaise, ces hommes sont des terminators dans la guerre que représente pour eux le divorce. Vous connaissez sans doute Terminator, cette référence culturelle du cinéma américain. Histoire d'un robot froid et cruel dont la seule raison d'être est sa mission, abattre coûte que coûte une personne sans défense qui ne comprend pas ce qui lui arrive. La créature est impossible à arrêter. Elle ressurgit plus forte chaque fois que l'on croit l'avoir affaiblie. Et on sait qu'elle n'abandonnera jamais. Je n'imaginais évidemment pas à quel point les propos de mon avocate allait s'avérer prophétique. À un détail près pourtant, mon Terminator, ce monstre d'obstination et de détermination, avait juste oublié un truc. Il était tombé sur une bretonne. Donc, Julian a obtenu la garde conjointe assortie de 12 jours de visite par mois. Des visites particulièrement difficiles puisque Julian se livrait à toutes les sortes de maltraitances sous Gwendoline. Les violences qu'elle me rapportait avaient un grand désarroi, mais que lui niait ou minimisait. La pire, à mon sens, est ce que les Américains appellent le gaslighting. Tiré du film de 1944 avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, Antise en français, dans lequel un homme, Charles Boyer, s'emploie à faire douter son épouse de ses perceptions, de sa mémoire, bref, à la déposséder de sa réalité. Dans le cas de Julian, il s'agissait de tentatives, conscientes ou pas, de distordre les perceptions de Gwendoline en lui imposant ses mensonges, qui en vérité n'en étaient pas, puisque j'allais découvrir qu'il s'agissait de délire. L'état de Gwendoline s'est rapidement détérioré. À 3 ans, elle déployait des trésors d'imagination pour cacher et conserver sur elle, à mon insu, mes cheveux, qu'elle extirpait de ma brosse à cheveux, car cela la calmait et la rassurait, et elle avait du mal à s'endormir sans ce qu'elle appelait un morceau de maman lorsqu'elle était chez son père, qui la punissait et m'accusait de lui donner mes cheveux à manger. À 7 ans, elle avait des hallucinations et voyait des sorcières qui menaçaient de la tuer en plein jour. Les Américains, qui ont toujours un sens aigu de la formule, parlent de
comportements qui sont « crazy making ». À 8 ans, elle me faisait part, ainsi qu'à sa thérapeute, de ses idées suicidaires, de son désir de s'envoler par la fenêtre pour échapper à ce qu'elle appelait la guerre. La bataille juridique pour protéger Gwendoline du comportement de son père et accessoirement l'empêcher de devenir folle ou de se suicider a duré plus de 8 ans. Mais paradoxalement, plus les choses s'aggravaient pour Gwendoline, plus elle allait mal, plus j'étais menacée d'être dépossédée de mes droits parentaux, désenfantée. Mes avocates me répétaient en boucle la même petite ritournelle. « Attention Caroline, il ne faut surtout pas parler des violences de Julianne. Tu vas être accusée d'aliénation parentale et on va t'enlever ta fille. » Plus je dénonçais les comportements délétères de son père, plus Julianne risquait d'obtenir la garde exclusive et d'accomplir la prophétie qu'il avait mise en scène dans mon appartement après qu'un policier l'ait accompagné pour prendre ses affaires et le placer en garde à vue après une énième violence contre moi. Ce jour-là, Julianne n'avait pas seulement fait son sac pour prendre quelques affaires, j'avais obtenu une ordonnance de protection à son encontre. Julianne avait laissé la carte du Joker, le fou aux habits multicolores, coiffé d'un chapeau à grelots, près d'un portrait de nous qu'il avait brisé sur le sol. Et un mot, tu vas le regretter. Il avait aussi pris soin de laisser sur mon bureau une enveloppe non ouverte de l'hôpital Columbia Presbyterian, avec une en-tête, femme en danger. Il s'agissait d'une lettre de sensibilisation adressée aux femmes menacées de cancer du sein. Et un minuscule point fermé en bois verni, d'où émergeait une lame tranchante, entre l'index et le majeur. Julianne me faisait une promesse funeste. Il m'avertissait qu'il allait se livrer à un combat mortel contre moi. Au début de la procédure judiciaire, les accusations qu'il proférait contre moi me paraissaient presque insignifiantes, tant elles me semblaient grotesques. J'avais fabriqué la terreur dans la tête de ma fille de 3 ans, en lui implantant l'idée que son père était dangereux et mauvais, parce que je voulais le priver de sa fille. Si Gwendoline pleurait avec lui, c'était pour me faire plaisir. Mais très vite, je me suis aperçue que ces accusations étaient prises très au sérieux par la justice américaine. Persuadée que les mères malveillantes et toutes puissantes qui programmaient leur enfant pour qu'ils haïssent le père étaient un phénomène courant. Le rapport d'expertise demandé par le tribunal de la Cour suprême de New York a été un coup de massue, tant l'expert semblait avoir été subjugué par Julianne. Ce rapport fourmillait de projections de la part de Julianne et l'experte avait entièrement adopté son point de vue. Elle l'absolvait de toute violence, malgré les certificats, mais elle mentionnait mes sautes d'humeur, mes interprétations erronées de la réalité, mes délires, ma rigidité, mon histrionisme. Je précise que mes avocates m'avaient quand même briefé pendant des heures quant à ce qu'il fallait dire et ne pas dire. Tous les traits de la personnalité de Julianne y figuraient, mais c'est à moi qu'ils étaient attribués. Le SAP n'était jamais nommé, mais il apparaissait en filigrane. En voici quelques extraits. La capacité de Madame Brea à réguler ses humeurs est extrêmement limitée. On note en outre une absence totale de volonté de faire un examen de conscience. Son anxiété extrême concernant l'enfant me fait craindre qu'elle ne cause un trouble de l'attachement entre la mère et l'enfant. Le fait qu'elle donne ses cheveux à manger à l'enfant montre qu'elle souhaite favoriser une dépendance anormale et malsaine entre elle et l'enfant. Un attachement inapproprié. Elle semble déterminée à exclure le père de la vie de l'enfant. Ses manifestations émotionnelles sont tout à fait théâtrales et exagérées. Il est probable que Madame Brea conditionne l'enfant pour qu'elle fasse les mêmes allégations. Ses symptômes cachent peut-être une pathologie plus grave, telle qu'une pensée délirante. Monsieur Jones est un père aimant, au comportement approprié et très attaché à l'enfant. Je ne vois aucune objection à ce qu'il s'occupe de Gwendoline.
Elle répétait en outre les mensonges que j'avais déjà entendus Julian égrener sans lui mettre le moindre monde en doute. Monsieur Jones, artiste et militant des droits de l'homme, est un homme célèbre qui était l'ami d'Allen Ginsberg. Il est issu d'une famille unie qui n'a jamais connu de conflit. Monsieur Jones était la figure d'attachement primaire pendant la première année de l'enfant. Lorsque je le lui ai demandé, Madame Brea n'a jamais été en mesure de prouver des violences graves. Il m'a semblé qu'elle avait exagéré la gravité des faits pour incriminer son mari. Elle semblait rigide, appelait l'enfant « my baby » comme s'il n'appartenait qu'à elle. Le rapport était absolument incroyable. J'avais l'impression que Julian avait réussi à hypnotiser l'experte. Les rôles, les identités et les culpabilités étaient inversés aussi radicalement que dans un miroir. Qui était la victime ? Qui était le bourreau ? Qui était le parent sain et protecteur ? Qui était le parent fusionnel et aliénant ? La dépendance anormale et malsaine entre Julian et Gwendoline m'avait toujours frappée, mais c'est à moi que l'experte l'avait attribuée. J'avais l'impression de vivre un film noir, un thriller psychologique à la Hitchcock. Une victime innocente confrontée à un adversaire dérangé et pervers qui persuade tout le monde, même les experts, que la victime est cinglée. Julian cherchait à me faire perdre la raison pour démontrer au monde entier que c'était moi la folle. Je me mis donc à douter de moi-même, de mes perceptions, de mes souvenirs et de mon vécu. Était-ce moi la folle ? Se pouvait-il que je souffre réellement d'une pensée délirante et que j'eusse imaginé les confidences de Gwendoline ? Je ne savais plus. La lecture de ce rapport me jeta dans la confusion et le désespoir le plus total. Il me semblait que Julian était doté d'une force surnaturelle, puisqu'il parvenait même à convaincre des experts de sa version tordue de la réalité. Plus que jamais, Julian me terrorisait. Crazy making. Le fait que Julian soit en capacité de se faire de nombreux alliés puissants et déterminés ne faisait qu'accroître ma terreur. Il y avait bien sûr sa nouvelle femme, devenue son bras armé, qui semblait unie dans sa haine envers moi avec son mari, le coordonnateur parental, nommé par le tribunal pour trancher les litiges, à 350 $ de l'heure, qui allait devenir l'un des alliés les plus zélés de Julian et était prêt à se compromettre pour lui porter secours. Il me faisait même payer les factures de Julian pour ses propres séances de médiation. Il se mit bientôt à me harceler. Dès que Julian voulait obtenir quelque chose, le coordonnateur intervenait en sa faveur et m'expliquait que mon manque de coopération était nocif pour l'enfant et d'une voix soudain menaçante, que le juge verrait cela d'un très mauvais œil. Il n'a jamais rencontré Gwendoline. Il y avait la psychologue et la sous-directrice de l'école, le lycée français de New York, à qui Julian avait évidemment fait lire le rapport d'expertise malgré l'interdiction du juge, ce qui fit immédiatement de moi une suspecte pour tous les intervenants de l'école. Un lundi, Gwendoline est revenue de l'école, le bras écorché. Sa belle-mère l'avait traînée dehors pour l'humilier en public parce qu'elle pleurait. Elle venait de passer le week-end chez son père. Mais l'école a fait un signalement contre moi, persuadée que j'avais fait les écorchures pour incriminer le père. Peu importait les signalements de la pédiatre et de la psychiatre de Nolwenn au système de protection de l'enfance de New York. Les capacités quasi-hypnotiques de Julian semblaient imparables. L'assistante sociale aussi était convaincue que j'étais celle qui avait écorché Gwendoline pour priver Julian de sa fille. Une seule actrice du destin de Gwendoline a immédiatement vu clair dans le jeu de Julian. La psychiatre de Gwendoline, qui a très vite compris que Julian n'acceptait de la rencontrer que pour une seule raison. La convaincre que j'étais folle et qu'il devait obtenir la garde exclusive. Il a fait l'erreur de dire clairement qu'il n'accepterait pas que Gwendoline poursuive sa thérapie avec elle si elle n'admettait pas que je détruisais Gwendoline. Les événements se sont alors précipités. Le jour des 8 ans de Gwendoline, Julian a obtenu une ordonnance de protection à mon encontre, en prétendant que je l'avais agressée dans la rue, y compris sexuellement. Une quinzaine de chefs d'inculpation pesaient sur moi et mon procès devait se tenir en octobre 2013. Je précise qu'aux États-Unis, on peut obtenir une ordonnance de protection préventive sur la seule base des déclarations de violence.
contact avec Julian était proscrit et m'exposait à être arrêté et expulsé des États-Unis sans ma fille. Bien sûr, il s'évertuait à provoquer ses rencontres ou contacts. Je me cachais du monde, terrorisé. Cette ordonnance a été reconnue comme infondée par le juge en octobre 2014, dismissed with prejudice, un non-lieu avec préjudice pour Julian. À bout de souffle et de nerfs, je suis rentrée en France pendant les vacances d'été 2013 avec Gwendoline. Gwendoline était plus suicidaire que jamais. Sa psy new-yorkaise m'avait demandé de consulter une experte en France. Alertée, celle-ci a fait un signalement et c'est là que tout s'est enclenché. Plusieurs signalements de professionnels alarmés par l'état de Gwendoline. La demande de maintien sur le territoire par le procureur de Quimper pendant le temps de l'enquête. La réaction immédiate de Julian, portant plainte pour enlèvement international, en application de la Convention de la Haye sur les déplacements illicites d'enfants, et sa demande de retour immédiat. Petite parenthèse sur cette convention, selon laquelle l'enfant ne peut être déplacé de son lieu de résidence habituel sans l'accord de l'autre parent, donc déplacé par un parent sans l'accord de l'autre parent. Sauf si en vertu de son article 13b, l'enfant est exposé à un danger physique ou psychique ou à une situation intolérable. Julian avait bien sûr immédiatement obtenu un mandat d'arrêt contre la mère rapteuse et aliénante que j'étais. Une juge de première instance de Rennes a ordonné le retour de Gwendoline à New York, tout en précisant qu'elle devait rentrer avec sa mère et chez sa mère, en raison des méthodes d'éducation très discutables du père et de la belle-mère de Gwendoline. Ce qui était totalement absurde, puisqu'aucun juge n'aurait appliqué cette décision française et que j'encourais la prison aux États-Unis. Enfin, notre victoire en appel, une victoire exceptionnelle, très rare, la seule en 15 ans, d'après ce que j'ai compris. En avril 2014, la cour d'appel de Rennes nous a cru. Après avoir entendu Gwendoline pendant 40 minutes, elle a statué que Gwendoline pouvait rester sur le territoire français, réfutant toute aliénation maternelle. Alors, qu'est-ce qui a motivé la décision des juges d'appel de permettre à Gwendoline de demeurer sur le territoire français ? En deuxième instance, plus encore qu'en première, l'argumentation de Julian était axée sur l'aliénation parentale. J'avais traîné Gwendoline chez des médecins pour obtenir des certificats de complaisance. J'avais prémédité l'enlèvement avec la psy new-yorkaise. Je manipulais l'esprit de Gwendoline pour l'amener à accuser son père des pires crimes. Entre la première et la deuxième instance, nous avons décidé de changer de discours, d'employer une nouvelle grille de lecture qui a permis une remise à l'endroit. Plus question des mensonges de Julian, de sa vengeance et de sa manipulation. En effet, si Julian Jones était si convaincant, ce n'était pas parce qu'il était un manipulateur qui racontait des mensonges ou parce qu'il détenait la vérité. C'était parce qu'il adhérait mordicus à sa propre réalité, celle qui lui convenait. Quand Julian Jones contestait certaines accusations de sa fille, il n'était pas dans le mensonge, mais dans le déni. Quand il me prêtait des intentions malveillantes, de spoliation, d'appropriation de l'enfant, de fusion avec l'enfant, quand il disait que j'avais manipulé sans vergogne, Julian Jones était dans la projection. Quand il me décrivait comme monstrueuse et lui comme un père parfait, Julian Jones était dans le clivage. Il se présentait aussi comme le sauveur du monde, qui écrivait des hymnes pour la paix et était même à l'origine de la Journée mondiale de la paix. Alors que j'étais moi, à l'instar de ma mère, une sorcière qui pratiquait des rites de sorcellerie bretonne. Projection, clivage, déni, nous n'avions évidemment pas affaire à un simple père violent, menteur, manipulateur, un névrosé. Nous étions dans le domaine de la psychose, du délire. Tout cela figurait désormais dans nos conclusions d'appel. Dès lors, le danger était que Julian était incapable de reconnaître et de prendre en compte la souffrance de sa fille. C'est l'explication que donnaient les juges d'appel.
Je les cite. Lors de l'audition devant la cour, Gwendoline s'est présentée comme une enfant authentique, spontanée et mature, exprimant avec force son refus de vivre chez son père, qui lui nie le droit d'exprimer ses sentiments. Gwendoline exprime de longue date et de manière réitérée son mal-être chez son père, sans que l'on puisse réduire cela à de la manipulation maternelle. Il existe un risque grave que le retour de l'enfant aux États-Unis d'Amérique ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place de toute autre manière dans une situation intolérable. Il y a donc lieu de refuser d'ordonner le retour de l'enfant.